Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. L'Éternel a vu l'injustice faite à ton égard. Le Seigneur a vu tout ce qu'ils ont fait contre toi. Il s'est levé ce matin pour toi. Dieu s'est levé de son trône pour régler tout. Et Dieu veut mettre fin à cette souffrance. Regarde la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur vient jusqu'à toi pour détruire même tes ennemis qui se sont ligués contre toi. Écoute-moi, Jésus t'a pas lâché. Il me dit ce matin de te dire qu'il t'a pas oublié, il t'a pas lâché. Il ne t'a pas lâché. Il ne t'a pas oublié. Il est fidèle, ton Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est fidèle. J'aborde le sujet, la délivrance, comment délivrer, la délivrance du jour ou de la sorcellerie. Amen. C'est-à-dire qu'on est victime de la sorcellerie. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut être délivré de ça? Comment s'en sortir? Or, généralement, quand on est victime, on a du mal à s'en sortir. Et on se pose beaucoup de questions. Comment faire? Alléluia. N'oubliez pas qu'on parle de sorcellerie, c'est-à-dire un sort a été lancé. Lanceur de sort. Comment s'en sortir? Alléluia. J'ai déjà parlé de ça depuis hier. Je veux toucher encore sur certaines choses et développer encore le thème. Amen. Hier, j'ai parlé d'hier, j'ai dit le premier élément qui est plus important lorsque nous sentons que nous sommes victimes de la sorcellerie. Amen. Victime de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on est victime, captive des sorciers. Le premier élément,
c'est commencer déjà à s'éloigner de nos bourreaux. C'est bien compris? Tu sais que Jean, celui qui te tue, commence à t'éloigner de lui. Tu sais que c'est Afoué, quand on était tué, commence à t'éloigner de Afoué. J'explique. Publiquement parlant, quand Saül devait avoir David, il a vu d'abord l'étoile de David. David a tué Goliath. Il va rapprocher David dans le temps. David allait vite dans le temps avec Saül. Amen. Et à plusieurs reprises, plusieurs fois, David, Saül a cherché à tuer David. Et regardez ce que David a fait. Il s'est échappé. Il a fui, il a quitté le palais. Amen. Or, les sorciers pour ta voix, ils vont forcément s'approcher de toi. Vous savez, notre ennemi, souvent Jésus dit, vous aurez pour ennemi les hommes de votre maison. Vous avez pour ennemi les hommes de votre maison. Donc la première des choses, c'est de s'éloigner. Amen. Tu vas me dire ce matin, tu es celui-là qui dit qu'il n'est pas tué les sorciers. Je te parle de l'éloignement parce que tu n'as pas d'autre moyen que de t'éloigner. Amen. Amen. Alléluia. Tu n'es pas le prophète Crasso. Tu n'as pas d'autre moyen. Le seul moyen que David avait, c'est de fuir le palais. Amen. Parce que David même aidait. Il a manifesté l'amour à l'égard de Saül. Parce que la chose qui est dans la vie de Saül, c'est de détruire David à cause de l'onction royale. Il voyait en David quelqu'un qui devait être roi, qui devait posséder le trône. Il fallait l'éliminer. À cause de l'onction royale, Saül va envoyer David dans le palais. Il a dit comment il a traité David dans le palais. Il a forcément voulu éliminer. Il sentait que Dieu était avec David. Mais il voulait forcément éliminer David. Il voulait forcément l'éliminer. Ils ont détecté en toi une étoile. Ils savent que c'est toi qui es la tête de la famille. Ils savent que c'est toi qui es béni. Ils savent que c'est toi que Dieu a choisi pour bénir la famille. Ils savent très bien que c'est au travers de toi que la famille sera prospère. Ils savent. Mais ils ont quelque chose en eux qu'on appelle la sorcellerie, qu'ils ne peuvent pas maîtriser et contrôler. C'est l'art de la méchanceté. Ils finiront par te détruire parce que ce qui en eux, ça détruit les bonnes choses. Dis amen. Amen. Ce qui en eux détruit les bonnes choses. Amen. Donc, amen. Ce que tu dois faire, le premier élément, c'est de fuir, t'éloigner. L'éloignement, il faut couper avec tout contact téléphonique, le contact physique, dans un premier temps, ça pourra t'aider. Dis amen. Amen. C'est ce que David a fait. Enfin, il a fui, il a quitté le palais. Il a fui. Amen. Amen. Et c'est dans sa fuite que le Seigneur a réglé le problème de Saül. C'est qu'il est mort, que Saül est mort, que David est revenu plus tard dans le palais. Dis amen. Amen. Que David est revenu dans le palais. C'est toi que tu as choisi certainement. Pour la bénédiction de la famille. Tu le sais bien. Tu as commencé déjà à travailler. Mais ce n'est pas l'heure. Oh, tu as le regard des gens méchants sur ta vie. Les gens cherchent à te détruire. Dans un premier temps, commence à t'éloigner d'eux. Il faut commencer à couper tout contact, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, vous savez, un moment du combat, tu seras épuisé. Tu ne pourras rien. Quand Moïse affrontait les Amalécites, arrivé un moment où on était épuisé. Il a eu le soutien de Hur et d'Aaron. Amen. Donc, dans un premier temps, il faut couper tout contact. L'éloignement. Il faut commencer à t'éloigner d'eux. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est la prudence. Amen. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire attention à tout. Tout ce qui vient de l'extérieur. Je vous disais la dernière fois hier samedi. Et regardez, on avait l'habitude de manger notre agouti. Est en sauce graine, un placali, reste tranquille. Le placali, on met un blé dedans. Reste tranquille. Amen. Tu n'as même pas envie que quelqu'un passe chez toi à la maison. Quand tu vois un visiteur, tu fais un petit trou. Agouti? Qui voulait pas vous dire ici? Mais un coup on dit non, il y a maladie, on l'appelle Ebola. Tous les maquis là, c'est interdit de vendre à goûter, n'est-ce pas? À cause de cette maladie, la présence de cette maladie. On ne sait jamais. À cause de la présence, comme il te guette, il cherche à te nuire, prudence, frère. Or, c'est ça le problème. Ton problème, tu fais confiance à tout le monde. Tu fais confiance à tout le monde. Or, Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Quand quelqu'un est prudent, il fait attention à tout.
Il dit, mais qu'est-ce? On m'a envoyé le plat, mais qu'est-ce qui est dans le plat? Le monsieur m'a salué, pourquoi? C'est ça, attention à tout. Alléluia. Amen. Or, oh, vous cherchez à t'avoir et vont commencer à t'envoûter. Il y a ce qu'on appelle la pratique, c'est-à-dire la sorcellerie et l'envoûtement. Or, quand t'envoûtes, tu te mets comme un béni, oui. Tu acceptes tout. Or, pour t'envoûter, ils vont commencer à choisir quelque chose d'aliment. Ça peut être la nourriture, ça peut être quelque chose. Et faites comprendre, attention à tout. Tout ce qui vient de l'extérieur. Amen. Matin, il vient débattre chez toi à la maison pour dire, j'ai réfléchi, je ne venais pas. J'ai pensé que il faut qu'on te donne le cabri. Tu mets le cabri. T'as un vous savez, le cabri fait bruit. Toi, il y a longtemps, t'as mis un cabri et pépé soupe. Tu as envie de manger. Or, le cabri, je dis, c'est toi. Il te bat matin coq, rouge, grec, bizarre. Comme il y a longtemps t'as vu là. Tiens. Attention. Soyez prudent. Ou bien tes bacs matin, t'as même pas dit bonjour. Il te dit même pas. Il dit non, je suis venu faire vacances. Mais pourquoi? Soyez prudent. Amen. Soyez prudent. La prudence, elle est importante. Alléluia. Amen. Si ton pas est spirituellement, mystiquement, ils vont physiquement débarquer chez toi et t'avoir. Donc la prudence. Amen. Amen. C'est pas la méchanceté. C'est différent de la. Vous voyez, quand quelqu'un commence à être prudent, il est méchant. Non, il faut être prudent. Vous savez, je vous dis une chose. Ceux qui ont fait l'Europe, ceux qui vivent en Europe, vous savez que blanc n'a pas trop le temps de bavarder trop les gens. Blanc n'a pas trop le temps de discuter, à moins ce qu'il y a à faire, point barre. Amen. Amen. Et quand vous verrez dans l'histoire des blancs, à cause de la pratique de la sorcellerie, les gens commencent à vivre seuls. Or, nous, on aime bien ça. On est dans l'immeuble, on veut faire camaraderie avec tous les voisins. Ah, le voisin, mais il ne salue pas les gens, il fait malin, j'ai choco. Ah, blanc, il s'en fout. Tu es dans le sens-là, tu es fort. Or, le voisin va chercher à savoir ici en Afrique. Le monsieur qui vient, il fait quel travail? Il est de quel village? Il est quel étudiant? Blanc s'en fiche. Amen. Amen. Il faut commencer le prudent. Tes fréquentations. Quel est celui qui te fréquente? Tout ça. Vous devez contrôler tout ça. Tes enfants jouent avec elle. Quel genre d'enfant? Et c'est tout ça, c'est important. Tu veux manger, fais attention. Il y a des mecs qui ne prient même pas. Le sang de Jésus, amen. Il mange. Moi, je ne mange pas partout. Amen. Amen. Même si tu as faim, il faut faire très attention. Alléluia. On peut t'avoir même dans la nourriture. On dit amen. Amen. Alléluia. On amen. Peut même t'avoir dans la nourriture. Même les cadeaux, faites très attention. Alléluia. Amen. La prudence. Je vous disais hier, j'ai dit, quelqu'un peut te demander l'argent. Et donne-moi l'argent. L'argent, c'est ici. Une pièce. 100 francs. Or, ce qui va intéresser le sorcier, demander les 100 francs, c'est ton empreinte digitale. Ou bien la personne te donne l'argent, elle dit non, si j'ai oublié, apprête-moi 1000 francs dans l'argent que je viens de te donner là. Si tu as donné, tu as gâté ton argent. Elle te doit, non. Elle peut bien te donner, te rembourser la dette. Tu me dis, ah, je n'ai pas de transport pour partir. Donne-moi dans l'argent que je t'ai donné là. 10 000 ou 5 000. Parce que c'est fini. Si tu as donné, tu es mort. Amen. Faites très attention. Soyez très prudent. Jésus dit conseille la prudence à cause de la présence de la sorcellerie. Parce que vous ne savez pas qui vous guette. Nous avons beaucoup d'ennemis. Tu as autour de toi des ennemis. Les gens qui ne veulent pas ta réussite. Est-ce que vous savez que le sorcier peut posséder le corps d'un être humain qui est innocent, qui n'a rien à voir avec ta famille pour venir te nuire? Amen. Amen. Regardez les amis du petit. On pense que c'est bagarre, monsieur, madame. Or, après un renseignement, il me semble que le papa, le monsieur, le père, la femme, le mari de truc est gendarme. Et le petit nous dit ici que la nuit, il rentre dans le corps du mari de sa mère.
Et puis pas là. Il peut poursuivre le corps humain. Il y a un problème, c'est la justice ici. Oui, monsieur, vélo, il a vu une femme dans le champ d'Evéa. Il a laissé son vélo là. Et puis maintenant, le prend. On dit, monsieur, vous avez violé une femme. Il dit, mais c'est pas, il a violé, il a tué. La personne est ici à divorce, en prison. On ne sait pas, il dit, je ne sais même pas ce qui s'est passé. On lui compte l'histoire, il compte. On dit, mais c'est vélo, mais oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis un bon matin, il vient, il se lève et dit, non, c'est moi qui ai possédé le corps de monsieur. Qui a tué ma nièce, on dit, oh, qui est devant nous. Qui délit. Et il dit, oui, non. Amen. Faites très attention. Il peut même posséder celui qui te fréquente, qui a l'habitude de te fréquenter. C'est ça qui fait très attention aux gestes, aux mouvements de ceux qui vous fréquentent. Si vous voyez quelque chose de très anormal, commencez à vous méfier. Moi, je suis devenu très prudent contre la sorcellerie. Plus je prépare mes messages, plus je m'enseigne sur la pratique de la sorcellerie. Amen. Vrai, rien de bon avis. Si tu n'es pas prudent, il y a une façon de s'éloigner qui te perd la vie. Non, il n'y a pas de décevoir. Quoi? Il y a des décevoirs. La personne dit, mange, mange. Non, j'ai goûté. T'as goûté là. Tu vas voir qui a mis beurre dans vos cas. Vos cas beurre. Alléluia. Soyez prudents. C'est mal et prudence qui a fait ta chute aujourd'hui. Il fait confiance aux gens bêtement. Vous prenez votre argent, vous donnez aux gens, allez construire vos maisons. C'est mon frère. Il va te bouffer ça comme cri-cri. Soyez très prudents. Amen. Parce que l'ennemi n'est pas très loin. La prudence. Dieu nous conseille la prudence. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, les gens prudents, mais ils vivent longtemps sur la terre. Souvent, les gens disent, ouais, les démons partout. Mais ils sont partout, les démons. C'est comme les mouches, ils sont partout, les démons. Soyez très prudents. Amen. Amen. On dit amen. Amen. J'ai un peu la sorcellerie. Je suis très prudents. Très dangereux. Je vais toucher un élément très important que je vais développer au cours de la semaine. Le troisième élément, c'est pour être libéré, la délivrer du joug, la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle le troisième élément, briser les pactes et les alliances. Briser les pactes et les alliances. J'explique. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont bons chrétiens, qui jeûnent et qui prient, qui réalisent que rien n'avance dans leur vie. C'est des vrais chrétiens qui ont la crainte de Dieu, qui marchent selon les préceptes bibliques et qui n'arrivent pas à en penser. Or, la sorcellerie, la définition veut dire un sort a été lancé sur la personne. Vous comprenez? On dit lanceur de sort. C'est-à-dire qu'il y a un sort sur toi. Sort qui veut dire une malédiction, quelque chose de très mauvais sur la vie de quelqu'un. Est-ce que vous savez que nos parents, le fait qu'un parent de ta famille ait un ancêtre, c'est-à-dire tes parents, tes grands-parents, le fait qu'ils soient levés le matin, ils sont allés adorer une rivière, on tissé un pacte. Ils se lèvent un matin pour dire, ils jouent, c'est-à-dire l'eau. L'eau, tu es mon Dieu. Le fait de dire ça, c'est une malédiction qui va se répandre dans la famille. Nous prenons Exode 20. Exode 20 à partir du verset à 17. On va vous libérer tout à l'heure, on va aller tout à l'heure, vite, 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 vite. Parce que c'est important. Souvent, il y a un problème de malédiction. On a l'impression que c'est un mauvais sort sur toute la famille. On a des maladies bizarres telles que la folie qui nous prend. Ou bien on a des maladies bizarres telles que la tension qui nous prend dans la famille. On a des maladies bizarres, l'insuffisance rénale, la mort prématurée. On a la pauvreté sans nom dans la famille. Personne n'avance. Le plus grand fonctionnaire, les vigiles. À ce que c'est. Oui, travaillons les vigiles. À Kinkash. Un salaire de 35 000. À cause de ça, tous les villages là sur. C'est une malédiction. Amen. C'est ça, un sort. On a l'impression qu'il y a un sort dans la famille. Tout le monde est frustré. On a des grands diplômes, on est belle, on est, mais on n'arrive pas à avancer. On a l'impression que tout est bloqué. Malgré nos jeûnes et prières, malgré notre chrétienté, tout est bloqué. Ça veut dire qu'il y a un sort là. Alléluia. Et nos parents, c'est ça, briser. Allons-y, 1. Exode, le chapitre 1, le verset. Chapitre 20. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, ouais. Je suis le Seigneur ton Dieu.
C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Oui. Où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Très bien. Il dit, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Allons-y. Ne fabrique pas de statues de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel. Vous comprenez? Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel. En bas sur la terre. En bas sur la terre. Ou dans l'eau sous la terre. Ou sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi. C'est parole de vie, c'est ça? Oui. Oui, très bonne question. Très bien. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Et je suis un Dieu exigeant. Oui. Dans ma version, un Dieu jaloux. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Il dit, je punis la faute de ceux qui me détestent. Écoutez très bien. Je punis aussi leurs enfants. Leurs enfants. Jusqu'à la troisième. La troisième. Ou la quatrième génération. Et la quatrième génération. On dit amen. Vous comprenez, ça dit, la malédiction plane sur l'enfant. C'est les enfants qui payent. Nos parents, un jour, le jour, sont prosternés devant une idole. Ça dit, devant l'eau. Devant, comment on appelle un caillou? Le boué. Le boué. C'est ça? Caillou, en baoulé, n'est-ce pas? Voilà. Caillou, télo, bois, et puis ils ont fait quelque chose comme un animal. C'est fini. C'est ce qu'on appelle le pacte qui a été signé avec le royaume des ténèbres. Le jour où tu es levé un matin pour aller donner un poulet avant, chez les féticheurs, les marabouts, tu as immolé quelque chose, c'est un pacte que tu as tissé. Or, le pacte doit se briser. Ensuite, tu n'as pas brisé le pacte, il demeure comme un mauvais sort dans ta vie. Et le mauvais sort est accompagné. Tu vis ça même dans ta chrétienté. Tu as l'impression qu'il y a un sort entre toi. Pendant que les gens avancent dans leur chrétienté, toi, tu as une vie chrétienne bizarre. Parce que dans ta vie, tu n'as pas brisé le pacte. C'est pour ça que maintenant, vous devez vous souvenir de tout ce que vous avez fait dans le passé. Où vous êtes passé? En offrant des moutons marabouts aux féticheurs. Le fait d'immoler un mouton, un poulet, le sang renversé, c'est un pacte que tu as tissé avec le diable. Amen. Même dans ta chrétienté, ce pacte-là demeure. Tant que ce n'a pas été, parce qu'on brise le pacte. Quand ce n'est pas brisé, le diable encore, il est encore dans ta vie, subtilement dans ta vie. Mais tu le sens parce que tu n'arrives pas à avancer. Non seulement toi, mais tes enfants ont hérité de ça. Si ce n'a pas été brisé, tes enfants irritants de ça. Et c'est ce que les gens vivent dans les églises. Ils sont découragés. Ils font tous les gènes. Ils dépassent Jésus. Les gens qui font 60 jours de gènes. Amen. Amen. Les gens qui font 21 jours, 40 jours. Ils font tous sortes de gènes, zéro. Parce qu'ils ont un pacte qui a été tissé avec le diable. Ça n'a pas été pris. Et on a l'impression qu'il y a un sort sur la vie. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, je vous enseigne toujours parmi quelque chose. Vous savez qu'on appelle le sort, c'est ce qu'on appelle la malédiction, n'est-ce pas? Or, la malédiction, la définition, c'est la malédiction. C'est une diction. La mauvaise sort, la diction. Or, la diction, vous savez que c'est la parole. Mal dit, n'est-ce pas? Ok. Or, la diction n'est pas un démon. Or, les gens chassent les démons de malédiction. Or, ça n'existe pas nulle part. Or, une malédiction, c'est un mauvais sort. Or, l'addiction, c'est la parole. Pour qu'on soit délivré de la malédiction, il faut d'abord l'identifier. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir quelle est la malédiction. Et sur ta vie, et puis l'annuler, la malédiction s'annule. Elle s'annule. On ne chasse pas un démon de malédiction. Il faut d'abord l'identifier, hein, et puis l'annuler. Or, c'est ça ton problème. Tu vis un mauvais sort, tu ne sais pas. Mais il y a un sort dans ta vie. Tu n'arrives même pas à savoir si c'est un mauvais sort. Mais rien quand tu viens de ta famille, tu as l'impression que les gens vivent la même chose que toi. Ils vivent la même chose que toi. Bien que tu sois dans le Seigneur, c'est la même vie. Il n'y a pas d'avancée. Arrive un moment donné, tout le monde est bloqué. Ou c'est la même maladie, des maladies bizarres qui vous arrivent. Et que si vous bloquez, vous n'arrivez pas à avancer. Ça veut dire qu'il y a un sort là dans ta famille. Tu as gêné, ok. Mais pour être délivré de la malédiction, il faut d'abord identifier la malédiction. Et connaître cette cause. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Identifier la malédiction et connaître cette cause. La vraie cause, c'est l'idolâtrie générale.
le fait que tes parents, ça dit, toi tu n'as rien à voir avec ce qui t'arrive, mais le fait que tes parents jouent à adorer une rivière, ont envoyé un fétiche dans la famille, et la chose n'a pas été détruite, les pactes, tu subis ça aujourd'hui, tu vis ce mauvais sort, et ça ici ta vie. Et le diable, vous voyez, les sorciers, vous voyez là, tiens compte de ça pour nous attaquer. C'est ce qu'on appelle le droit légal. Ça donne un droit à Satan d'avoir un droit sur nous. Comment comprenons une personne qui vient de donner, qui vient de prier, qui a répandu le sang de Jésus partout? Hein? Faut vivre des cauchemars. Tu as prié, brise, et tu as des cauchemars. Amen. Il y a des choses qui nous vont briser. Il y a des familles où il y a des gens qui sont des jumeaux, qui doivent adorer des œufs, ou même qui ont fait des sentiers chez eux dans le passé, qui ont détruit tout ça, ou fait qui ont jeté, mais qu'on n'a pas été détruit. Parce qu'il y a une manière, c'est ça la manière, il y a une manière de détruire aussi, de briser aussi les pactes. Il y a une manière. C'est pas chez jeter, puis jeter les livres. C'est pas quelqu'un qui dit, il abandonne la rose, quoi, qui brûle. C'est pas la bonne manière. Il faut chercher quelqu'un pour t'aider. Sinon, tu t'as même brûlé les livres, le pape le beurre, parce qu'il y a des initiations qu'on fait. Alléluia. Le seul problème que tu as aujourd'hui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Tu n'as rien à voir avec ça. Mais les parents, tu as hérité, c'est ce qu'on appelle la malédiction ancestrale. C'est ainsi ta vie. Et tu as l'impression que tu tournes à rond. Or, le signe, c'est la frustration. Tu es frustré. Bien que tu sois chrétien bien zélé, tu parles en langue. Amen. Vous savez, on peut même mourir sous la malédiction. Sous la malédiction. On a l'impression que ça ne va pas encore du bon, ok, je m'en vais à Londres. Mais à Londres, ça devient encore pire. C'est comme un oiseau qui est en cage, qui a été déplacé. Et puis ça va. Tu regardes bien Londres, mais tout est sec autour de toi. Tout est sec. Amen. La malédiction. Amen. Amen. Cause, c'est l'idolâtrie. Nos parents ont adoré les choses, les rivières. Le fait qu'ils ont, soit, ils ont donné un animal en sacrifice, c'est un pacte qu'ils ont tissé. Frère, le diable, c'est un menteur. Il t'a trompé. Il t'a poussé à quelque chose pour tisser une alliance avec lui. Tu es allé et tu as donné des animaux au diable. Et c'est fini. Le sang est versé. Quand le monsieur verse, il égorge, il ne sait pas ce qu'il dit. Là, il ne sait pas ce qui se passe. C'est un pacte que tu tisses. C'est un pacte. Il te met en contact avec les esprits, en contact avec les démons. Et les démons commencent à contrôler ta vie. Pour nous, le seul sacrifice, c'est Jésus. On dit amen. Amen. Notre seul sacrifice, c'est Jésus. On n'a plus besoin de notre sacrifice. En dehors de ce sacrifice, celui qui fait notre sacrifice, allez, il vole les animaux et tout ça. Mais c'est un pacte qui tient avec les démons. C'est ça ton problème. Alléluia. Amen. C'est ça ton problème. Il faut que ça soit brisé dans ta vie. Pour ne pas que le diable te contrôle. Or, si toi tu vis la même chose, tes enfants vivront la même chose. Tu ne peux pas te délivrer de ça. Ça va te pousser, ça va te suivre. On dit Dieu punit l'iniquité des enfants. Percé des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Vous savez qu'une génération, c'est bien 5 ans. Et la quatrième génération, ça fait un siècle. Amen. Amen. Et la malédiction demeure. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est ça. Le diable sait que tu es dans un mauvais sort. Tu vis quelque chose de très terrible. Il en profite pour faire de toi un prisonnier. Et le mauvais sort envoie beaucoup de choses, telles que la maladie, la pauvreté, le célibat. Ta vie est bizarre. Au moins, dans le service, les gens la promotion. Or, la Bible dit que Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, non pas en bas. Tu as l'impression que toi, chaque année que Dieu fait, tu marches reculant. Marie te gêne. Oh, ça, ça décourage de telles personnes. Ils sont zélés à l'église. Ils voient Dieu. Rien. Rien. Parce qu'il vient un mauvais sort. Ils n'ont jamais été délivrés de tout ça. Frère, nous avons besoin d'être délivrés. Nous allons tenir debout. Je poursuis l'enseignement. Je prends ça pour 2 semaines. Nous allons tenir debout ce matin. Tout ce que les parents ont fait sur nous, tout ce qu'ils ont fait, nous allons briser les pactes que nos parents tissés avec les démons. Amen. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle. Pour être un peuple quand on est prié. Nous prions le Seigneur. Nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Amen.
Nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Nous voulons briser les pattes. Nous voulons briser les alliances. Que nos parents le tissent avec les démons, les esprits. Au nom de Jésus, nous condamnons cette peine. À la puissance qui est dans le sang de l'agneau. À la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. De Nazareth. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Les pattes et les alliances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous te rendons la gloire car et encore. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute ta gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci, nous te rendons toute ta gloire.